j'espère que vous allez bien. Vous étiez pas mal à l'attendre. Nouvelle vidéo, vlog numéro 8. Demain, on va à l'Astroballe, on joue à l'Asvel. Je commence le vlog la veille comme je l'ai fait pour les autres déplacements. On est vendredi, on joue demain, on joue samedi à 15h. Ce soir, on a un entraînement. Pour ceux qui n'ont pas suivi du premier vlog jusqu'à maintenant, demain, c'est la 9e journée du championnat. La particularité de ce match, c'est que nous, comme l'Asvel, on n'a pas perdu depuis le début du championnat. On est à 8 victoires, 0 défaite, et pareil pour l'Asvel. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous. Je vlog toute ma saison cette année sur ma chaîne, donc abonnez-vous pour pas rater les prochains vlogs, les prochaines vidéos. Mon Instagram, allez voir aussi si vous voulez me suivre de plus près, et on est parti. Je m'attendais à ça. T'as dit quoi? Est-ce que tu es prêt à partir? Rien du tout, je suis prêt, regarde, je mets mon manteau et je suis prêt. Je te dis pas les gens, qu'est-ce qu'on voit là? Oh ça va, avec la lumière ça va. Et par contre j'ai vu que votre site est sorti, allez le voir, commentez, partagez, et likez surtout, et abonnez-vous au cas où. Tu l'as vu? Ouais, bah oui. Et Dara, t'aimes bien? Vas-y, je te jure, même moi là, j'étais dans mon lit là, j'ai vu le match, j'ai fait wesh. On a vraiment gagné. C'est vraiment choqué. C'est vrai que t'es une dinguerie. On a vraiment. Wesh. Je suis débile, incroyable. Non taille, Luc, Luc. Eric, non taille, tu viens après? Faut en parler. Eh les gars, l'album de Taiki, il est très fort, très très fort. Par contre, l'album de Coco Jojo, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Eh non, non taille! Vas-y, nous se casse. Je vais trop. Vous allez directement là. Non, on va en avance. Allez, j'arrive. Tu faisais la sieste? Ouais. On a fini l'entraînement. Je dis au revoir à Adèle. Je suis le seul qui met un gros plan. Non. Un gros plan. Non, non, non. Le plus, c'est Emery. Bah, c'est une dinguerie, moi. Non, non, wesh, toujours. Wesh, les gens ils font des mèmes de ma gueule. À chaque fois ils filment. Wesh, mais les gens ils font des mèmes de ma gueule. Attends, Emery, pourquoi y'a ton mème au-dessus de ta tête? Oh. Ah, bah, Emery, wesh. Ah, bah, non, non, c'est le Quoi? Ça va Emery. T'es dingue, ouais. On a fait le shoot, tout ça. Entraînement d'avant match, tu connais? Je connais, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. What's up, Eric? T'as dit quoi, les gens sont derrière toi, ils attendent de grandes choses de ta part. Restez branchés. Y'a pas Bilal, y'a pas la star du week-end dernier, putain. On doit finir un jeu qu'on avait commencé du milieu terrain, et là en gros, on a fait qui tout double 5 fois, on a fait ça. Et là, celui qui perd, et bah, il paye 5 canettes à Lino, parce qu'il a mis un premier panier. Tout voilà, donc là, il reste lui et Reggie. Et celui qui met le tir du milieu terrain en dernier, bah, il ralasse. Emery, je te confie la caméra. Du coup, vous me connaissez déjà. Emery, assistant officiel de Luc Van Bostel. Putain, vous avez raté, je l'ai mis. Putain. C'est ma faute, c'est la faute d'Emery. Mais d'abord. Ouais, dédicace, Gouzou. Ouais, je t'ai dit dédicace. Pour la daronne. Ici, d'ici. Gros. Emery, si je suis pas le prochain à mettre, je suis un gros PD. Un. Est-ce que t'es un PD? Bien sûr que t'es un PD. Attends. Il marque, hein. Tu peux revenir, mon gars. Ouais. Ridi, tu mets. Luc, tu reviens. Oh là là! Emery, merci d'avoir filmé. Ridi, va-t-il le mettre? Attends, si Ryan y met, tu reviens. Si Ryan y met, tu reviens. Oh là là! Bon, d'accord, je rejoue. Merci. Les abonnés, c'est pour vous. Ils rejouent juste pour vous, là, carrément. Juste pour vous. Tu dois plus canette. On remet tout en jeu. Celui qui perd, il paye 6 canettes au premier. C'est ça? C'est ça. On dit au revoir à Moussa Diko. Ailier fort, pivot de l'équipe KD, équipe S. Un homme, une superstar en devenir. Allez, Faut voir. Si sur le prochain tour, il y en a un qui met, il revient, c'est nos règles. Donc voilà, il a une chance de revenir. Reviens.
Van Boxtel. Il est vraiment tout droit, hein. Ça me merde d'être droit, en fait. Mais la balle ne rentre pas. J'ai dit, j'ai parlé sur Esti. Prenez le vrai frère, hein. Oh. Pour toi. Oh. Il revient, tu penses? Oh. Oh. Ouais. Voilà, nouveau même. Allez, voilà, c'est bon, j'arrête là. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Bah attends, y'a Ryan. Dédicace, c'est le moment, mon gars. Oh. Bon, mon gars, pas de pression, facile. Ouais les gars, du coup, bah je suis rentré, je me suis douché. On s'est entraîné tranquillement ce soir, c'était veille de match. On est resté un peu comme vous avez vu. Demain, on a rendez-vous à 8h30 à la gare de Lyon. Du coup, voilà, je vais aller me coucher, mon stage juste ici. Et je vous reprends demain matin dès que je me lève. Ah bah demain, du coup. Il est 7h30, j'ai dormi pas super bien. Je me suis réveillé à 3h, je me suis rendormi à 5h, le nez complètement bouché. Une nuit un peu de merde, mais bon, c'est comme ça. Et là, je vais y aller. J'ai préparé mon petit sac avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour le déplacement. Et puis voilà, donc on est parti. Là, avec la team, on se prépare. On est bien. Tous un peu fatigués. Tu dis quoi, l'équipe ? T'es fatigué, Eric ? Jamais. Ça va. Bon allez, on se retrouve à la gare de Lyon. Ça, la star du week-end dernier. Pas une star. Et tout le monde parle de toi dans les commentaires. Ouais, Bilal, t'es trop fort. J'ai toujours dit Bilal, c'était le meilleur joueur, vous avez vu. Pourquoi t'as pas filmé Bilal le week-end dernier? T'étais blessé là? Vraiment? Ouais. Ça tire sur l'adducteur. Du coup, tu joues pas, c'est vraiment là? Ah ouais? Ah merde. Emery, pourquoi y'a ton meme au-dessus de ta tête? Pourquoi quoi? Y'a ton meme au-dessus de ta tête. Il fait le timide de temps en temps, il veut pas faire les vlogs parfois avec lui. C'est mignon, tu fais le timide de temps en temps. Non, même pas. Timide. C'est beau. C'est pas timide. Lui, il est en retard. Voilà, capitaine. Un mec fou. Game time. Big game time. Dis bonjour à tes élèves. Ça va? Ça allait bien ou quoi? Ça, les gens vont bien. Ça va. Préparateur physique est toujours là. On est parti. Pas mal ça, c'est. On va arriver à Lyon. Bon bah on a quartier libre pendant 20 minutes. Du coup on va aller là. La star, on t'a pas demandé une photo encore? Écoute, remis, c'est là. Oh, je suis trop tendre. Encore un gros plan. Encore, non, ah, je suis pas un gros plan là, t'inquiète. Bon, là on est avec Amri. On s'est séparé du groupe. Ouais. Et... voilà quoi. Hein. Faut qu'on les retrouve. On les a pas bien cherchés. Hein. Ah, ils sont là-bas. Mets ton bracelet. Dans la poche gauche de Ryan là. Tu veux que je le mette? Toi aussi, mets-le. Ok, on a fini de manger. On se dirige vers la salle, vers l'astroballe. Ouais, du coup, tu veux que ça. Tu veux quoi toi? Un gros plan sur toi, mais ton mème là, regarde, vas-y, une fois de plus ton mème. C'est parti. Damn.
ça là. Avant match.
les gars, on est tous rentrés, on est en week-end. Du coup, première défaite, comme vous avez pu le voir. Je vais vous parler du match. Je pense qu'on rentre pas assez bien dans le match. L'engouement à l'échauffement était pas fou. Je pense qu'on s'est dit que ça allait passer comme les 8 derniers matchs. Et bah, contre une équipe comme ça, forcément, bah ça passe pas. Après, en face, ils sont au-dessus individuellement. Physiquement et techniquement, ils sont au-dessus. C'est comme ça, ils sont pas champions pour rien. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas l'équipe pour les battre. Je pense que quand ils vont venir chez nous, ça va être un tout autre match. Et puis quoi qu'il arrive, on a le potentiel, on a largement le potentiel pour les battre, je pense. Donc voilà, première défaite. Faut apprendre de ses erreurs. On est déjà tous passés à autre chose. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est du passé, comme je disais. Petite parenthèse, ça fait quelques matchs que vous êtes quelques-uns à venir me voir à la fin des matchs, que ce soit à l'extérieur ou à Levallois, à domicile. Et j'ai des retours sympas du coup sur les vidéos, donc c'est cool. Vous venez me voir en personne et ça fait plaisir. Le gars qui est venu me voir à l'Astrobal à la fin de notre match, bah tu te reconnaîtras. Il m'a demandé de faire une petite dédicace à deux de ses potes durant le trajet. Je crois que j'ai oublié un peu les noms. Je crois que j'ai zappé. Et de tête, bah du coup, dédicace à Adam et Noah. Les gars, si c'est bien ça, bah c'est cool. Sinon, bah lâche un commentaire. Je regarderai les commentaires et si je me suis trompé, bah je le referai dans la prochaine vidéo. Et du coup, pour fermer la parenthèse, n'hésitez pas, si vous venez voir nos matchs, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, de après, bah venir nous parler tout simplement. Du coup, voilà, fin de vidéo. Abonnez-vous les gars pour donner la force, pour que je continue mes vlogs tous les week-ends à chaque match. Lâchez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, le petit like aussi, ça fait plaisir, c'est cool. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Il y a du nouveau qui arrive sur la chaîne, pas que des vlogs, des vidéos à concept comme j'ai déjà fait une fois, du coup, avec le King of the Course. Et puis voilà, donc abonnez-vous, restez connectés. Et voilà, fin de vidéo.